Daniel, faut vraiment que t'arrêtes de coucher avec tous les mecs, c'est pas possible ça. Mais c'est pas vrai, madame. C'est mon petit-fils, il fait des bêtises. Les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Je suis pas au courant de ma propre vie. Kev Adams et Diane Ler, la Miss France, apparemment ils sont ensemble. Ilyes, t'as des choses à nous dire sur ce sujet? Ah, j'étais là, ils étaient pas ensemble. Non mais les gars, je comprends pas. Il y a que moi que ça arrive que je suis pas au courant de ma vie. On m'apprend des trucs sur ma vie. Si proche de Miss France. Mais pourquoi moi j'apprends ma vie dans les journaux tout le temps? C'est quoi? Je suis proche de Miss France. Moi je croyais que j'étais proche de toi. Moi aussi je croyais que j'étais proche de toi. Ah ce Kev Adams. Ah ce Kev Adams. Non mais tout le temps il fait des relations lui. Tout le temps tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une relation que des Miss France. Miss Univers a refait sa vie. Ok. Lui de son côté, il a eu plus de mal à refaire sa vie. Ce bolos. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, I'll go waltzing Matilda with me and with a Billy Boyle. You'll go a waltzing Matilda with me. It's pretty good, Adam. I don't think you should ever sing again, and next time I'll learn the words. All right. Beaucoup de personnes râlent car le nouveau Batman dure pratiquement 3 heures. Bon, je leur dis heureusement que ce n'est pas moi qui joue Batman, car sinon le film il durerait pratiquement 6 heures. Bonjour Jean-Claude, alors moi j'ai cherché dans ma garde-robe à TF1 et j'ai eu aucun mal à trouver des vêtements qui m'évoquaient des souvenirs. J'ai donc choisi ces deux blousons en cuir que tu vas reconnaître. Celui-là, c'était en pleine Coupe du Monde, en 2018, pour le premier match des Bleus. Celui-là, je l'ai porté le soir de la finale et on sait comment ça s'est terminé, avec une deuxième étoile sur le maillot de l'équipe de France. Donc on peut le dire, ces deux blousons, ce sont mes petits porte-bonheur et j'allais même dire... Tu es mon porte-bonheur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est avec une de tes tenues que j'ai présenté mon premier JT. Tu m'as aussi offert mon premier buzz avec cette magnifique robe en cuir rouge. Et puis, tu m'as offert aussi ma première robe longue pour mon premier gala. Alors, je voulais te remercier de m'avoir tendu la main avec autant d'amitié il y a quelques années quand j'ai frappé à ta porte. Je t'embrasse très fort.